tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo crochet et je vous propose de réaliser une jolie petite attache tétine. Donc, pour réaliser cette attache, il vous faudra du fil qui se tricote en 5 mm. Donc, vraiment privilégier du coton pour les enfants, pour les nourrissons, c'est beaucoup mieux. Donc, moi j'ai pris la Pingo Punchy de chez Pingouin. Donc, elle est composée de 51% coton, 49% acrylique. Donc, c'est bon pour les enfants. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec plus ou moins 80 mètres. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser un fond de pelote parce qu'il faut vraiment quelques grammes de fil pour réaliser votre attache tétine. Donc, c'est bien du fil qui se tricote en 5 mm. Vous aurez également besoin d'un crochet 5 mm, d'une petite attache tétine comme ça en bois. Donc moi je les commande sur Amazon. Alors, vous pouvez les trouver un petit peu partout. Donc c'est plutôt facile à utiliser. Vous voyez, hop, on écarte, on pince ici le vêtement et hop, on referme. Voilà. Il vous faudra également une petite aiguille pour la couture et bien sûr une paire de ciseaux. C'est parti pour la démonstration. J'ai pris mon crochet et mon fil. Dans un premier temps, on fait un nœud coulant. On fait une boucle. On passe le fil dessous. Avec le crochet, on vient récupérer le fil du milieu et on tire vers le haut. Et on a fait notre nœud. On récupère bien le bon fil et on va faire une maille chaînette de 37 mailles en l'air. Une maille en l'air, c'est un jeté autour du crochet et vous repassez dans la boucle. Et là, on a fait une maille en l'air. Un jeté, je passe à travers. Deux mailles en l'air. Il m'en faut 37. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Voilà, j'ai ma chaînette de 37 mailles. Maintenant, on repère avec son pouce la dernière maille juste ici, voyez. Et là, on va faire 3 mailles en l'air qui va correspondre à une première bride. Donc, je refais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans cette maille qu'on a repérée avec notre pouce, on va piquer et on va faire 3 brides pour avoir 4 brides au total. Donc, celle-ci va compter comme une bride. Donc, pour faire une bride, je fais un jeté autour du crochet. Je pique dans la maille. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers deux boucles. Un jeté, je passe à travers les deux dernières boucles. Et là, on a fait une bride. Je recommence. Un jeté, je pique dans le même espace. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers deux boucles. Un jeté, je passe à travers les deux dernières boucles. Donc là, j'ai fait deux brides. Il m'en faut encore une. Donc un jeté. Je pique toujours dans le même espace. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers deux boucles. Un jeté, je passe à travers les deux dernières boucles. Donc là, c'est comme si on avait fait 4 brides. Car là, les mailles en l'air vont compter comme une bride. Ensuite, on va passer une maille. On va piquer dans la suivante. Et on va faire une maille coulée. Une maille coulée, c'est on pique dans la maille. Un jeté autour du crochet. Je ramène le fil. Et là, je le passe à travers la boucle. Et j'ai fait ma maille coulée. Je passe une maille. Dans la suivante, je viens faire 4 brides. Bon, je fais bien mon jeté. Je passe bien ma maille. Je vais dans la suivante. Et je fais ma première bride. Je repique dans le même espace pour en faire encore 3 autres. Et au total, on aura fait 4 brides dans le même maille. Et 4. Vous voyez? Je saute une maille. Dans la suivante, je fais une maille coulée. Je saute une maille. Dans la suivante, je fais 4 brides. Voilà, je saute une maille dans la suivante, une maille coulée. Et vous l'aurez compris, on fait ça tout le long.
je passe une maille et je fais mes 4 brides. Ne vous inquiétez pas si ça vrille comme ça un petit peu. Quand on aura fait le rang retour, vous allez voir, tout va bien se placer. Donc là, je vais continuer jusque la fin. Voilà, j'ai terminé mon rang par mes 4 brides ici. Normalement, dans la dernière maille, vous avez bien effectué 4 brides. Ici, on va faire des mailles en l'air pour pouvoir passer la tétine. Vous voyez l'espèce de boucle qu'on a de l'autre côté de notre attache tétine. Donc ces mailles en l'air, c'est comme pour le début, c'est un jeté et on passe à travers le crochet. Un jeté et on passe à travers. Vous voyez? Et on va faire environ 20 mailles pour quand même que la boucle soit assez grande pour pouvoir passer la tétine. Donc là, j'en ai déjà fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ensuite, ici, on va relier au bord, vous voyez, comme ça. Et là, vous avez la boucle. Donc, on va piquer dans la maille ici. Et on fait une maille coulée. Maintenant, on va travailler dans le sens inverse de la même façon que l'on vient de faire. Donc, quand on a nos 4 brides ici, eh bien, on refait 4 brides tout simplement. Donc, je fais mon jeté. Je pique dans le même espace que mes 4 brides, vraiment la même maille. Et je refais donc mes 4 brides. Une, deux, trois. Oups. Et 4. Vous voyez. Donc là, j'aurais peut-être dû un petit peu plus serrer là, vous voyez. Un petit peu plus serré ici. J'étais un peu trop lâche. Donc faites bien attention de quand même assez bien serrer. Voilà, je l'ai refait, j'ai resserré pour que ce soit plus joli. Maintenant, on continue. En même temps, vous pouvez camoufler le petit fil ici. Vous le laissez guider le long de l'ouvrage. Comme ça, on le camoufle en même temps. Là, nous avons fait tout à l'heure notre maille coulée. Donc, on va faire exactement au même endroit notre maille coulée. Donc, je pique et je fais ma maille coulée. Ici, où nous avions nos 4 brides, je fais mes 4 brides. Une, deux, trois et quatre. Vous voyez ce que l'on obtient? C'est super joli. Bon, on continue toujours. Là où j'ai fait ma maille coulée, je viens refaire ma maille coulée. Donc on pique bien dans le même endroit. Surtout. Hop. Et on serre. Dans l'espace suivant ici, où j'ai mes 4 brides, je fais 4 brides. Et vous aurez compris, on va faire ça tout le long. À chaque fois que j'ai ma maille coulée, je refais bien ma maille coulée. À chaque fois que j'ai mes 4 brides, je fais bien mes 4 brides. Et vous faites ça tout le long. Voilà, j'ai fait tout le long. Arrivé ici, on termine bien par nos 4 brides dans la première maille. Et là, on va simplement fermer en piquant dans une des mailles en l'air ici. Et hop, la troisième maille en l'air. Et on fait un nœud coulé. Voilà, pour fermer le rond. Ensuite, je fais un jeté autour du crochet
Je coupe le fil en gardant un peu de marge qui va nous servir pour coudre la tache tétine. Et je tire sur le crochet pour faire un nœud. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment le mettre sur le petit attache en bois. Pour le passer à l'intérieur, vous faites attention de bien mettre le bon côté. Vous voyez, là, c'est le beau côté. Là, c'est le bon côté. Parce que l'autre côté, vous voyez, c'est pas aussi joli. Là, c'est le devant. Moi, je prends simplement le petit fil et je le passe dans le cercle, vous voyez, hop, de l'attache tétine. Et je tire en faisant attention que ça se met dans le bon sens. Donc, c'est un petit peu étroit ici et l'ouvrage est un petit peu plus épais. Mais en faisant attention, en allant doucement et en tirant bien, tout peut passer. Et vous allez passer comme ça la toute première bosse, vous voyez, le tout premier rond. Vous allez le passer pour qu'il ressorte de l'autre côté. Donc vous allez doucement, vous passez maille par maille comme ceci. Hop. Vraiment, prenez votre temps. Hop. Je tire un petit peu. Il reste plus beaucoup. Voilà, la première boule, vous voyez, est passée. Là, je plie simplement comme ça. Là, c'est le bon côté. Et je vais coudre sur l'envers. Voilà, donc là je mets sur l'envers. Je vais prendre mon aiguille à coudre et je vais coudre le rond comme ça tout autour. Donc je plie dans une maille ici et dans la suivante de l'autre côté. Là et là. Comme ça, je suis sûre que c'est bien cousu. Hop. Hop, là vous pouvez le passer à l'intérieur par exemple. Moi c'est ce que je fais. Et je continue la même couture de l'autre côté. Hop. Vous voyez, on fait quelque chose de propre. Hein. Voilà, donc dès que vous pensez que la couture est bonne, que c'est assez bien costaud et que ça ne peut pas bouger, je vais refaire un petit point ici, moi. Hop. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est je pique au bord. Je laisse passer la boucle ici. Non, je vais le refaire parce que j'ai pas bien passé tous les fils. Donc, ce que je fais, c'est je pique au bord. Voilà. Je laisse dépasser une boucle. Je repasse mon aiguille à l'intérieur et je tire. Et vous allez voir, hop, ça forme un nœud. Vous serrez bien. Et là, vous repassez à l'intérieur comme ça. Comme il y a double épaisseur, on peut facilement cacher le petit fil qui dépasse. Vous allez à droite, vous allez à gauche. Vous faites le tour. Voilà. Et le petit fil qui dépasse, on le coupe. Et voilà la tache tétine. Donc là, il suffit de la laver, de bien poser à plat. Et puis voilà, on pouvait la laisser telle quelle. Vous voyez, c'est super mignon. Voilà, maintenant vous pouvez la laisser comme ça si vous voulez. Vous pouvez rajouter un petit nœud, vraiment comme vous voulez. Et je vous montre bien qu'il n'y a aucun danger pour l'enfant. Regardez ici. Si c'est bien cousu, vraiment, il n'y a pas de danger. Regardez, je tire assez fort. Vous voyez, ça ne bouge pas. Allez, pas de danger, hein. Pareil pour le bord ici. Comme on a continué de crocheter avec le même fil, on n'a pas fait de couture ici, c'est tout dans la même continuité, donc il n'y a pas de danger que la couture s'en va et que le petit fil ici s'en va. Regardez, vous voyez, vraiment aucun danger. Le seul danger vraiment, c'est si l'enfant tire trop que ça se déforme, mais bon, ça c'est pas grave, c'est une bonne excuse pour pouvoir en faire plein d'autres.
Voilà, donc j'espère que mon petit tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!